Vous souvenez-vous, fidèle parmi les fidèles au général Salans, ce colonel a dirigé à ses côtés l'OAS après le putsch d'Alger. Antoine Argout était alors l'un des plus jeunes colonels de l'armée française. Condamné à la détention à perpétuité, il est amnistié en 1968. Alors, depuis ces événements d'Alger, 30 ans sont passés. Antoine Argout a aujourd'hui 75 ans. Qu'est-il devenu ? Reporter Arnaud Hamelin. Je vous ai compris. Le but, c'était pas tellement la mort du général de Gaulle. C'est mon général de Gaulle était un obstacle indiscutable sur la voie du redressement français. Et je regrette encore une fois de ne pas avoir réussi. Mais je l'aurais tué moi-même de mes propres mains, comme je l'ai dit à France Culture, sans aucun espèce de scrupule de conscience. Tous les jours, le colonel Argout, ancien officier des blindés et cavalier, rend visite à ses deux chevaux au lieu-dit La Bataille, à quelques kilomètres de sa demeure à Darnay dans les Vosges. Il a 75 ans. Alors, ce sont deux juments qui sont nés dans la propriété. Alors j'ai acheté ces chevaux dès ma rentrée et ma sortie de prison, 69, parce qu'à l'époque je montais encore à cheval. Mais j'ai toujours conservé des chevaux parce que je trouve que le contact du cheval est un oblissant pour l'homme. D'ailleurs, on parlait autrefois de l'esprit cavalier, ce sont les hommes qui pensaient que c'est eux qui dressaient les chevaux, alors que c'est l'inverse. Du jour où on a supprimé les chevaux dans la cavalerie, l'esprit cavalier a pratiquement disparu. 26 ans après l'échec du putsch d'Alger, il garde une fidèle mémoire des événements et surtout des hommes. Je retiens quelques belles figures, en particulier le commandant de Saint-Marc, le général Salans, qui a montré un courage extraordinaire à la fin de sa vie, le colonel de la Chapelle, qui avec une famille de 14 enfants vivants, a fait le bout sans poser de questions. Il m'a proposé. Alors que j'ai eu combien de camarades qui m'ont dit « Ah, si on n'avait pas un enfant, si on n'avait pas deux enfants, on lui suivrait. » Faites la comparaison. Polytechnicien, lieutenant en 40, capitaine à 28 ans, major de l'école de guerre, colonel à 44 ans en Algérie, Argout est alors le plus jeune colonel de l'armée. C'est le général Salans. C'est le général Chalve. Commandant du 3e RCA en Algérie, proche du général Massu jusqu'en 60, partisan de l'Algérie française, Argout est un des artisans du putsch en 1961. Général Zahir, à l'extrême gauche de votre cadre. Je pense que nous sommes passés très près pour la raison suivante. À l'Élysée, pendant la journée, la fin du samedi et la journée du dimanche, un vent de panique a régné. Et il a suffi de très peu de choses. J'assimile ça à la comparaison suivante. Je compare le putsch à une bille que vous lancez vers un col. Au fur et à mesure qu'elle s'approche du col, évidemment, la vitesse diminue. Alors la bille, notre bille, est arrivée au sommet du col avec une vitesse très faible. Elle a hésité pendant quelques heures pour savoir de quel côté elle pencherait. Et puis elle est retombée. C'est-à-dire que le putsch a échoué. Pourtant, ni son éducation, sa carrière et ses convictions ne l'avaient préparé à ce geste. Ne croyez pas que je me sois décidé comme ça du jour au lendemain. Parce que quand je suis rentré à l'école polytechnique il y a quelques 50 ans, je n'avais pas la lame d'un putschiste et la désobéissance chevillée au corps. Je ne vous rappellerai pas parce que vous le savez très bien que les cas de désobéissance dans l'armée, des cas de désobéissance officielle ont été couronnés de succès. Le général de Gaulle lui-même en est la plus belle fleur. Ensuite, il y a eu le tribunal de Nuremberg qui a condamné à mort des officiers pour avoir obéi. Il entre dans la clandestinité avec Bidault et Soustelle. En un an, il traverse 70 frontières, une tous les 5 jours. Le 25 février 1963, il est enlevé dans cet hôtel de Munich. Il pense être tué.
On a comparé souvent mon enlèvement à l'enlèvement du duc d'Enghien à Rastatt. Bon, la différence entre Napoléon et De Gaulle, c'est que Napoléon a joué carte sur table. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à biaiser, il n'a pas cherché à nier, il n'a pas cherché à mentir. Ses ravisseurs l'abandonnent dans une estafette devant les jardins de Notre-Dame. Mais qui l'a sauvé? Joatia, Alexandre Sanguinetti ou un autre? À mon avis, il y a une explication. Il est possible que ce soit un troisième homme qui occupait au gouvernement des fonctions assez importantes pour distendre le fil des événements. J'ai pensé à M. Frey, avec un large point d'interrogation. Parce que le général Jouot m'a confié que M. Frey, avant le putsch, s'était adressé à lui avec certain air de bonne volonté pour essayer de conserver l'Algérie à la France, en dehors même de l'avis du général de Gaulle. Amnistié après 5 ans de prison, il rentre à pied dans les Vosges. 350 km en 9 jours, il retrouve sa famille. Je suis resté en France pour un certain nombre de raisons, en particulier à cause de l'existence de cette vieille maison à laquelle je tenais, de mon mariage ensuite, de mes enfants. Mais c'est uniquement pour des raisons annexes que je suis resté en France. Si ces raisons n'avaient pas existé, je me serais expatrié dans un pays quelconque où j'aurais une fin de vie acceptable. Passionné de graphologie, il a pris en prison des cours par correspondance. Antoine Argout vit dans cette maison familiale avec sa femme et ses deux fils Antoine et Jean-Marie. C'est un bon petit garçon, un excellent petit garçon, mais il a un défaut, c'est qu'il a la tête près du bonnet. En particulier lorsqu'il joue au croquet, il veut absolument gagner. Et lorsqu'il ne gagne pas, ce qui se produit tout de même un certain nombre de fois, ça se traduit par des coups de maillet de divers côtés. Mourlet, je vais me permettre de vous faire écouter quelque chose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le colonel Argout était colonel en Algérie en même temps que moi. C'est bizarre. Et j'étais à l'époque le plus jeune colonel de l'armée de terre. Et je crois que je battais Arnoux d'un mois. Donc on était, si vous voulez, les deux plus jeunes colonels de l'armée de terre. C'est un homme de grande qualité. C'était un cerveau organisé. Alors il y a eu l'affaire que vous connaissez, l'OAS. Tout ça, je peux pas porter de jugement là-dessus. Parce que moi, au moment de l'OAS, il fallait se débarrasser à l'époque de Massu et de Bijard. Alors Massu a eu son embuscade, vous savez, qui est journaliste à Paris, et Bijard, moi j'étais déjà buté en Centrafrique quand il y a le putsch des généraux. Donc j'ai pas eu de problème à me poser. Qu'est-ce que j'aurais fait, je n'en sais rien, parce que dans l'armée on suit souvent son chef si on l'aime bien. Alors Argout a eu son destin, le pauvre, bon, je peux pas en dire plus quoi. Ce qui m'étonne dans cette interview, d'ailleurs je ne reconnais pas sa voix, c'est la modération de ses propos à mon égard, parce que je pensais que il ne m'aimait pas, d'ailleurs il avait certaines raisons de ne pas m'aimer particulièrement. En 77, nommé expert près la cour d'appel de Nancy, il a fait depuis 6000 expertises. J'ai été sollicité par la Française des Pétroles, j'ai été sollicité par la Banque du Commerce Extérieur, je suis sollicité par la Française Maritime, j'ai été sollicité par Béguincé, etc. Le jour où l'affaire Grégory s'est déclenchée, parce qu'il faut vous rappeler que l'affaire Grégory ayant lieu dans un petit village, c'était la gendarmerie qui en était responsable. Bon, les gendarmes de Darnay m'ont demandé ce que je serais disposé à faire des études. Ils m'ont dit, il y en a beaucoup. Ben, j'ai dit, tout à fait d'accord. Bon. Et ils m'ont dit, vous allez recevoir demain une vingtaine d'analyses, et le surlendemain, vous en aurez peut-être 90 ou 100. Bon. Alors, j'ai bien reçu les 20 premières analyses, et les 90 autres, je ne les ai jamais reçues. Et j'ai su par la suite qu'il y avait eu une obstruction sur le plan politique. Est-ce que vous avez fait par curiosité des études graphologiques de lettres ou de textes de personnages comme le général de Gaulle ou François Mitterrand? C'est absolument certain. Je pense que l'écriture du général de Gaulle, mais comme je vous le disais il y a un instant, sur ce plan je l'admets parfaitement qu'on pourra récuser mes affirmations, je pense que le général de Gaulle qui... sur un certain plan était un homme remarquable, d'une intelligence très au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, s'il n'avait pas été intelligent, il n'aurait jamais pu réussir tout son curriculum vitae. Bon. Était caractérisé par trois éléments essentiels, c'est-à-dire, en tête, c'était la fourberie, ce qui se traduit
par l'écriture en lasso. C'était une écriture tout en rondeur, en lasso, qui sont produits pour enlacer l'adversaire. Ensuite l'orgueil, et ensuite la méchanceté. Il se traduit comment en graphologie, la méchanceté? Alors, l'orgueil, ce sont des barres de thé, ce sont ce qu'on appelle des finales centripèdes, c'est-à-dire c'est tourné vers soi. Et la méchanceté, ce sont des finales dures, ce sont des finales tournées vers l'arrière, etc. Conformément à la parole du poète, plus je connais les hommes, plus j'aime les chevaux.